Ciné-club dans lequel il invitait des artistes, il invitait des réalisateurs. Donc il nous a aussi donné le goût du cinéma. Et je pense que c'est pour ça que je fais, entre autres, du cinéma. Donc il s'appelait Georges Valero, Jorge Valero. Il y a Picasso, et Picasso qui a été un de mes pères de peinture. Dans l'expo qui est ici, il y a des collages de livres, et c'est justement les petits morceaux qu'on voit là collés. C'était pour moi une façon, d'une part, de représenter le sable, parce que c'est difficile de dessiner chaque petit grain. C'était aussi une façon de pouvoir parler du livre, de faire entrer le livre dans le livre, avec ses collages. Et il se trouve que le livre que j'ai déchiré en petits bouts et que j'ai collé est un livre de mon père. C'était aussi une façon de faire une... Voilà. Donc j'aime bien utiliser ces collages. Et évidemment, le premier qui a pris un objet et qui a pris un ticket, je crois que c'est un ticket de spectacle et un journal, et qui l'a collé sur un tableau, c'est Picasso qui a fait ça je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est entre 1907 et 1913, donc très très tôt. Et il a fait rentrer l'objet manufacturé dans l'espace de la peinture, alors qu'avant l'espace de la peinture c'était un espace extrêmement sacré, et faire rentrer un vieux journal, un ticket de métro, un ticket de bus ou un ticket de spectacle dans un tableau, c'était quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, maintenant tout le monde fait rentrer l'objet du quotidien dans le tableau, et moi-même pour certaines de mes peintures, les cinq sonnettes, j'utilise des objets que je détourne. Et aussi, ce que j'aime beaucoup avec Picasso, c'est qu'il change de style tout au long de sa vie. Ça veut dire qu'il commence par très très bien dessiner. Quand il avait 13 ans, il était vraiment un enfant génial qui savait extrêmement bien dessiner. Son père était peintre aussi, donc ça aide. Et plus ça a été, plus il a désappris à dessiner pour créer des choses nouvelles. Et il a aussi fait de la sculpture, il a aussi joué... avec les objets, voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, parce que j'aime bien passer d'un monde à l'autre, d'un passé du monde de la peinture au cinéma, travailler avec des musiciens, voilà, j'aime bien ce côté très éclectique. Je suis au Chili, le poème, évidemment je pense à Pablo Neruda, qui est un poète extraordinaire, qui m'a beaucoup accompagnée, notamment dans le métro à Paris, comme on parlait de Paris. Et j'aime bien avoir mon livre de poèmes dans le sac et partir dans un autre monde. Et là, il a beaucoup écrit sur les algues et les étoiles, évidemment, la nature, enfin. Il y a quelque chose de très proche. Par exemple, je me rappelle un poème qui dit être un arbre. Et ce poème m'a inspiré un tableau, par exemple. Et en dessous, il y a marqué Politica.
Alors, encore un mot très important, puisque pour moi, la poésie ou la défense de la biodiversité, qui était le but de ce livre et de cette exposition, c'était évidemment poétique, politique et poétique. C'est ce qu'on voulait faire pour ce livre. Et je pense qu'il y a plusieurs façons de s'engager politiquement. L'histoire de ce livre, par exemple, est née il y a 4 ou 5 ans, quand ma sœur, qui est chercheuse au CNRS, a été invitée à la COP, alors je ne sais plus à quelle c'était, je crois que c'est la COP 18. Et elle est revenue assez scandalisée en disant « c'est terrible parce que on va dans le mur avec la planète et les politiques ne prennent pas la mesure de ce qui se passe avec la disparition de la biodiversité ». Et je lui ai dit « ben écoute, tu es une chercheuse reconnue, moi je peux dessiner ou faire des films, donc on va essayer de faire quelque chose pour alerter les gens sur la disparition des forêts d'algues. Et pourquoi c'est important de défendre les forêts d'algues? Parce que les forêts d'algues oxygènent autant la planète que les forêts d'arbres. Il y a beaucoup plus d'eau sur la planète, évidemment, de forêts d'algues, et si elles disparaissent, ça va être catastrophique. On parle beaucoup des forêts d'arbres parce qu'on les voit et on sait que les animaux se reproduisent dans les forêts, c'est un endroit où ils se cachent, mais on sait très peu que les animaux sous la mer s'accrochent aux algues quand il y a des tempêtes, se reproduisent dans les forêts d'algues, et si ces forêts d'algues disparaissent, ça va être aussi une énorme perte. Voilà. Et on le sait peu parce que c'est sous l'eau et c'est très peu vu. Donc l'idée de ce livre, c'était, à travers ce personnage d'Alice, d'emmener les gens et les enfants sous la mer, et en éduquant les enfants, éduquer les parents, en leur faisant prendre conscience de l'importance des forêts d'algues. Donc pour moi, ce livre, cette expo ici, et toutes ces rencontres, c'est aussi de la politique, quelque part. Je ne vois pas comment ne pas lier art et politique. Kandinsky et Clay, ils ont fait une école qui était juste avant la guerre, le Bauhaus, et cette école, c'était pour essayer de créer une nouvelle forme et d'enlever tout ce qui était superflu et décoratif à la forme. C'est-à-dire que ce soit l'adéquation de la forme à la fonction. Donc moi, j'ai appris avec cette école-là, cette école du Bauhaus, pour tout ce qui était les cours de design. Et donc, ils ont fait plein de théories, par exemple. Ils ont fait une théorie de la couleur. Et pendant 3 mois, j'ai appris à juste prendre une couleur et la dégrader. J'ai fait 3000 carrés de couleurs. Pendant 3 mois, on n'a fait que de la couleur pendant 8 heures par jour. Pour arriver vraiment à dire, dans cette couleur, il y a tant de pourcent de bleu, tant de pourcent de rouge. Voilà. Comment arriver à comprendre comment est faite une couleur? Et maintenant, avec l'ordinateur, c'est très facile. On met la pipette et puis ça nous dit combien il y a de pourcents. Mais à l'époque, savoir créer une couleur, la voir et dire ben, celle-là, je peux la refaire en mettant exactement ça, 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 je pense que ça m'a beaucoup servi. C'était à la fois assez académique et en même temps, c'était, je pense, très rigoureux, parce qu'il fallait vraiment que les courbes de couleurs se suivent, qu'il n'y ait pas de trous, c'est-à-dire pas mettre trop de couleurs pour que ça devienne que soit parfait. Je me suis bien lâché les cheveux avec cette histoire, mais je pense que ça me sert encore, ça m'a vraiment donné une façon de comprendre les couleurs, de les harmoniser, ou de les faire crier, ou de raconter quelque chose avec la couleur. Dans les décors de films, par exemple. Après, je pense qu'il y a tellement de sortes d'écoles en France. Il y a les Beaux-Arts, il y a les Arts Déco, il y a de grandes écoles d'art. La Villarson, chacune a sa propre académie, entre guillemets.
Mais je pense que la sensibilité, on l'a, elle est partout, même les scientifiques. Vouloir comprendre le monde et rechercher quelle est la structure d'une cellule, ou comment marche la lumière, ou pourquoi la mer monte et s'en va, enfin les marées. D'ailleurs, les films de Patricio Guzmán sont magnifiques, parce qu'ils parlent à la fois d'histoire, de lumière, de poésie. Pour moi, la sensibilité, elle est partout, elle n'est pas seulement dans le domaine artistique. C'est pour ça que ce travail avec les scientifiques pour faire ce livre m'a vraiment beaucoup intéressée, parce qu'ils sont très sensibles aussi. Je pense que les deux essayent de comprendre le monde, de le décrire, donc là c'est plus descriptif, mais et de transmettre. Donc, je pense que la démarche artistique et scientifique sont très proches. Est très très sensible. Oui, c'est toujours intéressant, par exemple, de réfléchir au processus qui a amené de partir de ce point-là pour aller à ce point-là. Ça, c'est intéressant. Notamment, je trouve, dans la démarche artistique, on a parlé tout à l'heure de Picasso et le processus qui l'a amené à partir d'une peinture très réaliste et aller vers le cubisme, déconstruire, etc. Pourquoi tout ça est arrivé par étapes et parle de sa vie aussi. Donc, je trouve que c'est un mot intéressant, processus. Moi j'aimerais bien, par exemple, dans mes expos, faire des films avec une GoPro pour montrer toutes les étapes, c'est-à-dire pour arriver à ce dessin-là, il y a peut-être 10 dessins avant. Et puis il y a tout le processus de discussion avec les scientifiques, l'inspiration qui vient du douanier Rousseau, qui est un peintre français. Si on regarde le tableau qui m'a inspiré pour ça, qui est un tableau du douanier Rousseau, il y a un singe et des méduses. Les méduses, en fait, c'est des fleurs blanches. J'ai repris la composition du tableau en rajoutant après des algues, en rajoutant plein de choses. Mais ce processus, je trouve que c'est toujours intéressant, autant que l'œuvre finale. J'aime bien le processus, mais en musique aussi, en théâtre. J'aime bien l'envers du décor, comme on arrive à quelque chose. Ouais.